au nom des 24 500 chasseurs de l'Hérault, je voudrais vous dire toute la joie que j'ai aujourd'hui, au bout d'à peu près 6 années de présidence, de pouvoir inaugurer cette école du Soulier. C'est une opération remarquable puisqu'elle a été, montée par la communauté des communes du Haut-Languedoc avec donc un pôle d'excellence rurale forest qui a fait que sur cette école de chasse, l'État a injecté 100 000 euros sur cette école de chasse. La région Languedoc-Roussillon politique et le conseil général 100 000 euros et la communauté des communes donc a emprunté ce qui restait et la fédération le paie sous forme de loyer pendant 12 ans. Alors j'ai beaucoup de plaisir en plus à me retrouver ici avec une fédération départementale des chasseurs avec laquelle nous avons tissé depuis longtemps des liens de coopération étroits dans bien des domaines. Les locaux sont spacieux, il y avait beaucoup de présidents le jour de l'inauguration qui ont vu que maintenant on pouvait accueillir les stagiaires. On va continuer le GORED pour former encore plus de jeunes avec le GORED qui viennent en complément de l'école de chasse du Soulier. Nous sommes ici dans la réserve du Méjean. C'est une réserve de chasse et de faune sauvage. Cette réserve a une superficie d'environ 80 hectares et avec les alentours, bien sûr, un petit peu plus, puisque une partie n'est pas chassable et c'est la partie sur laquelle nous allons opérer ce matin. Les extérieurs, nous verrons en fonction du temps, peut-être lundi prochain, de procéder à une nouvelle intervention. Voilà, il s'agit d'une régulation en battue administrative uniquement du sanglier. Ce qu'on a remarqué dans le département de l'Hérault, c'est que le sanglier se rapproche de plus en plus des villes, où il est très très difficile de faire des battues, pour pas dire impossible, et donc il est bien évident que là, ce sont uniquement les lieutenants de louveterie qui peuvent intervenir, et donc là, on voit bien petit à petit que l'évolution de leur travail va consister demain à être beaucoup plus présents dans les centres urbains, ou bien dans les réserves nationales, ce qui est le cas de l'Hérault, ça l'est sur le Bagnas, ça l'est sur l'étang du Méjean. Mais aujourd'hui, tout autour de Montpellier, il y a des interventions très importantes faites dans des endroits où on ne penserait pas qu'il y ait des sangliers. Pourtant, ils y sont, notamment dans les friches industrielles, où ils se réfugient, pas aux portes, dans la ville de Montpellier. Le chasseur, il est vraiment en train de... Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il est en train d'essayer de reprendre la place qu'on lui donne, comme si on ne lui avait pas laissé prendre la place qu'il avait, c'est-à-dire à la fois cette place de producteur primaire. Enfin, il met quand même sur le marché des viandes et il est tout à fait capable de... Enfin, c'est ce qu'on voit dans le cadre de ses formations. Il va être capable de dire est-ce que la viande, elle est consommable ou pas et qu'est-ce que je vais faire avec ma viande. Il est capable de prendre des décisions là-dessus parce qu'il a quand même l'expérience aussi d'avoir vu souvent des carcasses, etc. Donc il va prendre cette place-là, et puis il est aussi en train d'assumer complètement son rôle de chasseur un peu sentinelle et protecteur de l'environnement, quoi. Donc sentinelle, bah, on l'a vu dans le cas de la grippe aviaire, etc. Et puis protecteur de l'environnement, il gère les habitats, il gère quand même beaucoup, enfin dans des milieux surtout où il y a de moins en moins d'agriculture ou d'activité humaine, finalement lui il est là et il travaille sur le milieu, et il fait quand même pas mal de choses pour l'environnement, quoi. Donc c'est une place qu'il est en train de reprendre et qui en fait a toujours été la sienne, mais il est en train de s'affirmer un peu plus dans ce rôle-là. On est réunis ce soir pour faire le bilan donc mi-saison concernant le sanglier sur les unités de gestion donc 1, 2, 3 et 4. Bon, vous avez l'habitude de ces réunions du mois de décembre. Je rappelle qu'on réunit en fait, les membres des comités de pilotage, hein, donc ce sont en fait des représentants, chasseurs, office des forêts, louveterie, etc. Toutes les dames ne sont pas invitées à cette réunion donc, du mois de décembre, contrairement aux réunions de mars, où là donc l'invitation est élargie à l'ensemble des présidents de sociétés de chasse. Alors sur le grand gibier cette année, c'est une année donc très importante, à savoir que nous avons vu nos dégâts dans le département de l'Hérault exploser.
On a mis en place immédiatement donc, un observatoire de ces dégâts et puis nous avons pu vérifier que sur 300 000 euros de dégâts qu'on avait, qui était le double de l'année précédente, 20 communes sur 320 communes du département où se chasse le sanglier représentaient 50% des dégâts et 300 communes représentaient les 50 autres %. On est arrivé à tomber sur ces 20 communes les dégâts de 150 000 euros à 50 000 euros. On a gagné 100 000 euros en allant sur le terrain et toutes les sociétés de chasse m'ont beaucoup aidé. Là, on est vraiment à proximité donc, de Béziers. On est vraiment dans une des zones où, depuis maintenant 4-5 ans, on a une grosse problématique sanglier. À savoir, on n'a pas forcément des grosses densités de sangliers, des grosses populations. Par contre, on peut avoir rapidement des dégâts importants. Tout simplement parce que on est sur des zones où on a des types de cultures donc qui peuvent coûter cher dès qu'il y a en fait un dégât de sanglier. Bon, mais la priorité évidemment c'est d'abord la chasse, c'est-à-dire baisser les populations de sangliers par une chasse adaptée, mais surtout c'est la prévention par la pose donc de clôtures électriques pour protéger directement les parcelles, comme ce qui est en train d'être fait donc actuellement. Sur en fait un champ d'asperges où c'est nécessaire de protéger parce que voilà, si un sanglier s'aventure dans ce genre de culture à haute valeur ajoutée, la facture des dégâts est vite, très vite élevée, quoi. C'est une des difficultés du périurbain, à savoir qu'on ne peut pas organiser des battues aussi facilement que dans les hauts cantons, on va dire dans les zones boisées. Et c'est des zones où la chasse, on est un petit peu en effet gêné pour pratiquer une chasse. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'intervenir à la fois par la chasse, mais aussi beaucoup par la protection des parcelles et des cultures. On est sur la commune de Pieux-Chabon. Chez un viticulteur, M. Portalier, qui a régulièrement des dégâts de sangliers sur son vignoble au niveau du raisin. Et donc il a sollicité de l'aide de la fédération pour venir faire un devis de la mise en place d'une clôture électrique contre ces dégâts de sangliers. On a essayé de schématiser un peu la forme de la parcelle. Maintenant, on va mesurer le périmètre et tout en mesurant le périmètre, on va identifier les angles, les endroits où il y a besoin de piquer renforcés et tout en mesurant le tour de la parcelle. Voilà. Une des solutions, effectivement, c'est de poser de la clôture de façon permanente, donc qui protège mieux la parcelle que des clôtures temporaires. Du fait d'une meilleure conductivité du courant par les matériaux qu'on utilise. Et donc effectivement, c'est l'objet de notre passage aujourd'hui, venir chiffrer le coût de l'installation de cette clôture électrique. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Nicolas ? On est en train de tester si la clôture fonctionne bien. Elle a été posée récemment et donc on teste le bon fonctionnement de la clôture. Ce sont les boutiques que les sangliers viennent faire là. Ils viennent manger le grain, soulever pour chercher les vers, les grains qui sont dans le sol. Un sanglier, il mange comme un cochon, il ne mange pas pour promener. Alors, le résultat, il est là. C'est qu'ils font beaucoup plus de dégâts par ce qu'ils détruisent que par ce qu'ils mangent. Quand on travaille toute l'année, et puis après, quand on arrive, quand on voit les dégâts qu'on a, bon, si on met des clôtures, il n'y a pas de problème, il y a moins de dégâts. Mais le problème, quand on arrive, qu'on voit la récolte qui est à 20 ou 30 ou 40% de dégâts, ça fait mal au ventre. Hein. On fait une évaluation de la récolte, et là, ici, on vient, on fait un échantillonnage où on fait la différence sur la partie qui est touchée et la partie qui n'est pas touchée.
Mais le problème, c'est qu'à côté, là, il y a une réserve, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. On a juste la parcelle, juste à côté. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, s'ils veulent garder la réserve ou pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Il s'est passé que dans le cadre de la CCA, nous avons cette réserve et qu'on voulait pouvoir obtenir l'autorisation de pouvoir y chasser le sanglier pour protéger toutes ces cultures que nous avons là, toute cette plaine où il y a ces cerisiers, du maïs et pas mal d'autres cultures et où les propriétaires se plaignent. Une partie du territoire est en réserve pour le gibier, essentiellement d'ailleurs pour le petit gibier, pour la reproduction du petit gibier. La problématique que nous avons sur le département de l'Hérault et un peu partout ailleurs, c'est que ces réserves, ici on est dans le cadre d'une réserve à CCA, ces réserves sont devenues des zones refuge pour le sanglier, et donc là, suite à la demande du président de la CCA de Bédarieux, nous allons demander à monsieur le préfet de pouvoir procéder à des régulations de sanglier dans cette réserve, parce qu'on a déterminé que l'origine des dégâts, enfin les sangliers, venaient de ce secteur. Donc la saison prochaine, la CCA de Bédarieux pourra faire, dans des conditions définies au travers d'un arrêté préfectoral, quelques battues de régulation dans cette réserve à CCA. Voilà, mais je t'amène le dossier là, de ce qu'elle dit là, ouais. C'est Raphaël. Alors là, c'est un logiciel, oui, de la Fédération Nationale, donc c'est le logiciel dégâts national. Donc toutes les fédérations travaillent sur le même logiciel, sur lequel voilà, on saisit, une fois que l'estimateur nous l'a amené, on saisit déjà la déclaration de l'agriculteur, puis l'expertise provisoire qu'on nous l'a amené. Donc l'estimateur, donc on remplit les surfaces, les dégâts apportés. Et enfin, donc on remplit aussi au définitif la perte de tout ce qui a été perdu donc sur la récolte. Et le logiciel nous sort ensuite une proposition d'indemnisation qui calcule en fonction donc, des quantités de dégâts constatés. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on a au niveau national, le ministre de l'Environnement a mis en place, enfin a initié, un plan national de régulation des sangliers du fait de la contestation qui venait surtout des assureurs, tout ce qui est collision routière avec les animaux, et bien sûr le montant de la facture des remboursements de sinistres dus à des accidents de véhicules contre des animaux sauvages, est largement plus importante que la facture des dégâts agricoles. Donc le plan national de régulation des sangliers a impliqué une discussion au niveau de tous les départements de France, où on a parlé du problème des réserves, du sanglier et d'autres des grands animaux, mais surtout du sanglier dans les zones périurbaines. On a parlé des problèmes de dégâts, et ce plan national de régulation des sangliers, en fait, met l'accent sur ce que nous avons fait depuis quelques années dans notre département, à savoir identifier ce qu'on appelait nous les points noirs. Nous, on a toujours considéré au niveau de la Fédération des chasseurs que le meilleur moyen de prévention, c'était la régulation des populations de grands gibiers, notamment par le biais de la chasse. Donc on est en train de travailler sur ces problèmes de zones périurbaines pour essayer de trouver des formules pour réguler la population de sangliers. Mais c'est vrai qu'on a une population qui semble, entre guillemets, au travers des résultats des prélèvements, un peu en baisse. Pour nous, c'est tranquillisant et c'est pas du tout inquiétant. Chaque équipe donc, a l'obligation de tenir un carnet de battues. Donc ce document doit être rempli tous les jours de chasse, donc le matin, hein, où en fait, donc, les participants donc, aux battues doivent signer. Et puis donc à l'issue de la journée, le soir, donc on complète le document. Donc ce document écrit est obligatoire sur le terrain pour toutes les équipes à chaque fois qu'une battue est organisée. Voilà. Donc ensuite, le service qu'on propose via donc internet, c'est de nous communiquer en fait des informations donc qui ont été notées sur le document écrit via internet.
On accède en fait par le site de la Fédération des chasseurs, fdc34.com, et là il suffit de cliquer donc sur saisie des carnets de battue. Chaque équipe donc, a un mot de passe donc, personnalisé, ce qui permet d'avoir accès à ses propres données. Voilà, le nom de la Diane, le nom de son président et l'unité de gestion. La chasse à l'arc aussi, bon, je dois avouer que quand je suis arrivé en 2004, ça me faisait un peu sourire. Mais il y a de plus en plus d'adeptes. Je me dis qu'après tout, c'est une chasse comme une autre. Les gens, si les gens peuvent la pratiquer, moi je suis tout à fait conscient qu'il faut développer. Donc il y a une association qui s'est créée. On va l'aider. Voilà. Et moi je suis conquis quand je vois qu'un chasseur à l'arc peut approcher un chevreuil à 15 mètres. Voilà. Donc on y va. Voilà. Le village de Payès accueille maintenant le tir à l'arc depuis plusieurs années. Ouais, et en même temps d'ailleurs on y fait aussi le piégeage au niveau de la fédération. Hein, donc la formation des piégeurs. Hein. Et donc ça fait plaisir de voir toujours qu'il y a une population importante qui vient à ce tir à l'arc. Hein, puisque je crois qu'ils sont une bonne quarantaine là. Et il y a des jeunes qui sont de plus en plus attirés par le tir à l'arc, hein, ce qui est très intéressant. Et à mon avis, ça a de l'avenir pour la chasse, parce que c'est un engouement actuel important. C'est une chasse formidable. C'est vrai qu'on n'a que 10% de jeunes qui sont intéressés sur les 100% qui passent le permis. Quel est l'objectif de cette formation? Aujourd'hui, on est décrié dans la chasse de nuit pour les problèmes de confusion des espèces et tout. Donc le principe de cette formation, ça va être de donner aux stagiaires à travers la forme de nuit et le chant des oiseaux la différence entre une espèce protégée et une espèce chassable. Et donc il faut qu'à la sortie de cette formation, un jeune qui aura passé le permis puisse s'installer dans une hutte et puis faire bien la différence entre un canard autorisé à chasser et un canard interdit à chasser. À partir du moment où on est à 30 mètres de la nappe d'eau, on a l'obligation aujourd'hui, pour les problèmes de saturnisme avec le pont, de tirer des cartouches d'acier. Donc il y a toute cette formation où quand on est à terre, on tire du plomb, quand on est sur l'eau, on tire des cartouches d'acier. Ouais, je suis venu découvrir un peu la chasse du gibier d'eau. Je m'interroge un peu sur tous les types de chasse. Gibier d'eau ou grand gibier ou petit gibier, ça c'est un peu réparti au hasard, quoi, en fonction d'où on est. Quoi. Ce que je retiens, c'est qu'il faut être fou pour faire cette chasse-là, surtout. Parce que comme ils disent, aller en bateau jusqu'à la mer avec du vent, tout ça, il faut vraiment être fou pour faire ça. Donc moi, ça me plaît bien, quoi, de faire des trucs comme ça. Ça paraît en fait plus complexe. Beaucoup plus, on va dire, technique, je trouve plus intéressant que la chasse traditionnelle du gibier à terre. Ça doit être super de voir, par exemple, une flotte de canards se poser dans un truc, tu es excité, et par exemple, si tu fais du bruit que ça s'envole, ça doit être dommage, mais au moins, tu es content de voir quelque chose se poser dans la nature, quoi. À la porte. Hey. 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 Hey.